Et ça y est, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux de vous retrouver ce soir pour le tirage de l'oracle des maîtres dauphins sur les énergies actuelles au niveau collectif. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous touche à tous, qui vient nous apporter des éclairages. Vous avez peut-être déjà suivi les deux premiers tirages qui ont eu lieu. Et chaque semaine, ça va nous donner une indication sur ce qui est à vivre. Voilà, je vois que les gens arrivent. Bienvenue, Catherine, coucou, Amada, coucou. Annie, coucou, Linda. Bon, mais voilà, il y a plein de monde qui est en train d'arriver, c'est super. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver gentiment. Je vais vous récapituler 2-3 infos et puis ensuite on va pouvoir procéder au tirage. Vous voyez que je suis encore très bien accompagné avec tous mes animaux marins parce que comme à l'heure actuelle je devrais plutôt être dans les eaux et que je n'y suis pas, ben, je m'entoure de tous les animaux que j'aime. Donc j'en ai plein partout. Il est pas mignon? Bon, trêve de plaisanterie. Il y en a d'autres là. Trêve de plaisanterie. J'apprends à tenir ma langue, donc d'habitude je dis tout de suite. Et puis là, je vous réserve une petite surprise pour en principe la semaine prochaine. J'ai hâte de vous en parler. Petit trésor que j'ai entre les mains et que j'aurai grande joie de vous présenter. Donc ça fait vibrer mon cœur. Et puis aujourd'hui, on parle des dauphins, mais aujourd'hui, il y a la transmission et la connexion à l'énergie du maître dauphin rouge, Kaline, qui a commencé. Vous pouvez toujours prendre le train en marche. D'ailleurs, il y a jusqu'à dimanche le tarif de lancement. Et à partir de lundi, ça sera un nouveau tarif. Vous pouvez, si vous en ressentez l'appel, bien sûr, vous connectez à cette énergie, vous recevrez un e-book d'une trentaine de pages avec une vidéo de connexion, avec une méditation enregistrée également, avec une piste son instrumentale, avec des exercices, toutes les infos sur Kaline, et puis toutes les mises à jour qui vont se vivre à l'intérieur de vous, autour des grands thèmes que Kaline, le maître dauphin rouge, aborde, qui vont être l'enracinement, l'incarnation, cette rectitude par rapport à cela, le fait d'être en paix avec la matière. Le fait d'être en harmonie avec le vivant et avec cette terre, les mémoires familiales, et puis changer de regard. Donc c'est des thèmes quand même que j'aborde souvent et qui sont vraiment dans le règne, dans l'énergie de Kaline. Vous dire également qu'il y a toujours le défi Mandalam, avec de plus en plus de personnes qui le rejoignent, tout comme le défi Langage Galactique. Avec des super retours, j'en reviens pas et je suis tellement heureux de voir combien ça apporte. J'y investis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais quand je vois combien ça illumine la vie et combien ça apporte, eh bien, ça me ravit le cœur. Donc merci pour tous ces retours. Et voilà, et moi je vais continuer à vous offrir le meilleur pour que ensemble on vibre à l'unisson justement et que on fasse de cette période qui pourrait ne pas être très gaie, eh bien, non seulement quelque chose de merveilleux, de doux, de fluide, d'intense aussi parfois, mais aussi le socle de toutes nos mises à jour pour que dès demain, nous soyons au rendez-vous avec ce que nous sommes vraiment. C'est aussi donc l'occasion de libérer certaines données, de se déposer. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je vous propose toutes les clés. Et d'ailleurs, j'ai fait une actualisation sur mon site des ateliers en ligne, mais également des séances en ligne disponibles, où voilà, je vais vous pouvez retrouver en fait des thèmes très précis qui sont au-delà de l'espace et du temps et qui peuvent également vous accompagner en toute autonomie. Voilà, vous avez des séances qui sont déjà enregistrées en vidéo, avec de la méditation, avec de l'énergétique et qui vous permettent de changer de regard. Pour certaines, de faire la bascule, et puis pour d'autres, vraiment de vivre un centrage et un alignement intérieur. Donc vous pouvez retrouver tout ça, et puis je vous en reparlerai. On se retrouvera également mercredi prochain pour les guidances en ligne, où je prendrai du monde en direct, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tous les vendredis, c'est le tirage de l'oracle des maîtres dauphins. Donc là, je vais me connecter sur l'énergie du collectif, et puis je vais tirer les cartes pour voir ce que ça nous dit pour cette période-là, pour cette semaine à venir. Ben c'est parti, on y va. Donc je prends mon petit oracle.
Ah, il y a des personnes qui m'ont demandé d'ailleurs pendant que je suis en train de les battre. Oui, le tirage de l'oracle des maîtres dauphins est toujours disponible gratuitement en ligne. Il l'a toujours été depuis le premier jour, avant même qu'il sorte dans la matière. J'ai eu à cœur de le mettre à disposition. Donc vous pouvez le retrouver sur mon site. Vous allez sur la page d'accueil de mon site www.gildelios.com. Vous descendez en bas de page et vous allez voir, il y a non seulement le tirage de l'oracle des maîtres dauphins, mais il y a également une autre forme de tirage avec une partie qui va travailler sur notre cerveau gauche et une partie qui va travailler sur notre cerveau droit avec du galactique d'un côté et avec de l'analytique et une citation de l'autre. Je crois que j'ai tout récapitulé. On est parti. Oh, intéressant. Vous la montre. Donc c'est Skylight. Skylight, le maître dauphin blanc. Skylight qui nous dit: je vibre à l'unisson avec chaque élément, intérieur comme extérieur, unité. Profondément, c'est un message qui m'émeut et qui m'émeut particulièrement ce soir. C'est un message qui me touche, qui m'a toujours parlé. Mais je suis même surpris d'avoir l'émotion qui monte en réalité. Je crois que ça me touche profondément parce que c'est ce que je ressens. Non simplement pour moi, mais pour nous tous. J'ai l'impression que même des tas de personnes qui n'ont pas forcément une recherche, qui ne croient pas forcément au subtil, qui ne sont pas forcément dans une démarche de contacter autre chose que ce qui est là, dans cette période, face à la difficulté ou l'empêchement d'aller vers l'extérieur, d'aller à la rencontre des lieux, des situations, des personnes que nous pouvons aimer. Il y a cette évidence qui se met en place et qui se ressent en réalité de la connexion et de vibrer à l'unisson avec ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, et de faire un. Et j'ai beaucoup de témoignages autour de moi, y compris dans des personnes, de la part de personnes pour qui ce n'est absolument pas, voilà, encore une fois, un leitmotiv ou une façon de voir la vie, de ce sentiment de vague. Tiens, il y a quelque chose qui vient me cueillir, et tiens, au-delà même d'avoir pensé à quelqu'un, j'ai ressenti sa présence, j'ai entendu sa voix, je me suis senti dans son énergie. Des choses de cet ordre-là qui se traduisent. Simplement, si nous tirons cette carte de Skylight, ce n'est pas simplement parce que nous avons vécu cet aboutissement, mais au contraire, peut-être parce que il y a encore une marge. Nous pouvons aller encore un peu plus vers cela, encore un peu plus vers le fait de vibrer à l'unisson avec chaque élément intérieur comme extérieur, unité. Et je vais rebondir sur ce que je disais lors de la guidance de mercredi dernier. Je parlais du docteur Léonard Lascaux et de son approche sur les cellules cancéreuses en envoyant de l'amour inconditionnel, qui n'en était pas en réalité, puisque lui-même a reconnu avec humilité que ce qu'il avait appelé dans un premier temps envoyer de l'amour inconditionnel était en réalité une bien belle forme, un écrin pour en réalité vouloir simplement tuer la cellule. Ça nous renvoie à quoi? Je vous redis cette phrase, je vais la marteler ce soir. Je vibre à l'unisson avec chaque élément, intérieur comme extérieur. Unité. L'unité, elle ne peut pas se faire simplement avec ce qu'on considère comme bon, lumineux. L'unité, vibrer à l'unisson avec chaque élément. C'est profondément accueillir bien sûr toutes les parts de nous que nous passons notre temps à fuir, à combattre, à vouloir changer, à vouloir faire évoluer. C'est toutes les parts à l'extérieur, chez tous les protagonistes de notre théâtre. Toutes ces parts-là que nous aimerions changer, que nous voudrions voir évoluer, que nous voudrions guérir, et on en a parlé également lors de la guidance
sur le sentiment d'impuissance intérieure, les projections, pourquoi ça vient me chercher. Mais c'est également notre nature véritable, pas celle qui passe par là, pas celle qui passe par la construction, pas celle qui passe par notre personnalité, quelque chose de bien au-delà, quelque chose de profond, quelque chose de d'intrinsèque, qui préexiste. Ah, on m'entend pas bien? Je vais essayer de parler plus fort. Vibrer à l'unisson avec aussi ces bactéries, ces virus, tout ce dont on pourrait être tenté de se méfier, tout ce qu'on pourrait être tenté de juger, d'acculer, et qui n'est en réalité que la vie. La vie elle-même sous une autre forme, dont on pourrait se dire qu'elle est là pour nous enseigner, qu'elle est là pour nous punir, qu'elle est là pour nous faire évoluer. Et le dauphin blanc, lui, nous invite à nous détacher de l'interprétation que nous pourrions en faire. Il n'est pas question de savoir dans le détail où ça nous amène et pourquoi. Il est simplement question de se synchroniser avec et de s'y abandonner. Qu'est-ce qui va faire concrètement qu'une donnée va agir positivement ou négativement sur nous? Est-ce réellement sa teneur? Est-ce réellement le fait qu'elle-même soit bonne ou mauvaise? Je ne crois pas. Et les dauphins, dans tous les enseignements qu'ils m'ont donnés, c'est pas du tout ce qu'ils défendent non plus comme point de vue. On voit pas mal de personnes pourtant dans le spirituel, tester énormément de choses. Alors je vais tester avec un pendule, je vais tester avec un test kinésio, je vais tester avec le biochamp, je vais tester avec une échelle de Bovis, je vais tester avec que sais-je encore. Je teste, je teste, je teste. Et je vais déterminer que des choses sont positives et que des choses sont négatives, que des aliments sont positifs et que des aliments sont négatifs, que des substances, des liquides, des entités, des énergies sont positives ou négatives. Et à aucun moment, nous ne nous posons la question de savoir qui teste et quoi. Et c'est ça que vient nous dire Skylight, je l'ai à l'envers, le dauphin blanc. Pourquoi il nous dit ça? Parce que je peux tester un produit magnifique qui vibrerait selon ma propre échelle, c'est-à-dire selon le niveau auquel je le connecte, qui vibrerait à 100 millions d'unités Bovis. Vous imaginez, c'est un truc de dingue. C'est même pas référencé sur l'échelle. En dessous de 7000, ça met en péril ma santé physique. Et pourtant, je pourrais non seulement ne rien en tirer, voire même il pourrait mettre. Me faire du mal. En réalité, je pourrais me faire du mal avec lui. Comment ça se fait? Et à l'inverse, c'est vrai aussi, c'est-à-dire un produit OGM, modifié génétiquement, qui paraît pas vibrer très haut, je pourrais en tirer le meilleur et il peut m'apporter le plus grand bien. Je ne suis pas en train de faire l'apologie. Je crois que c'est bien de faire preuve de discernement, d'être aussi en accord avec ses valeurs, de manger plutôt bio, plutôt local, de privilégier les circuits courts, etc. Tout ça, on est d'accord, c'est pas le débat. Ce sur quoi pointe le dauphin blanc, c'est tout autre chose. C'est je teste à partir du niveau auquel je connecte l'autre, ou ce que je crois être autre, parce que en réalité, rien n'est autre que moi. Donc si je teste quelque chose parce que moi-même je le vois comme profane, je ne pourrai pas contacter son niveau sacré vibratoire ou son niveau divin vibratoire.
Il est prisonnier de mon regard, et la forme qu'il prend n'est que la conséquence naturelle de la prison dans laquelle je l'enferme au travers de mon regard. Tous ceux dans mon environnement comme à l'intérieur de moi qui me posent encore un problème que je juge comme limitant, problématique, négatif, part d'ombre, involuant, sans conscience, vicieux, etc., 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 ne peut pas manifester toute sa beauté, pas parce que cette part n'en est pas capable, mais uniquement parce que je ne lui en laisse pas l'occasion en l'enfermant dans une vision tronquée et erronée. Ce n'est pas parce qu'elle a pris à un moment donné une forme qui n'était pas la plus reluisante ou la plus acceptable que cela nuit à sa nature intrinsèque. Et c'est justement au travers de mon regard, parce que je ne me protège plus, parce que je n'ai plus peur d'elle, mais que je la vois dans toute sa beauté. Je ne suis pas kamikaze. Je me connecte d'abord et je vois sa beauté. Et donc du coup, je vais me synchroniser à un autre niveau de son être, au niveau supérieur auquel le problème ou la déviance ne peut pas exister. Et donc je touche à sa quintessence même. Et connectée à ce niveau-là, alors elle va m'apporter tous ses trésors. Parce que justement, je n'en recherche peut-être plus. Parce que je ne cherche pas à utiliser cette part, ce produit, cette nourriture, cet alicament, cette personne, cette situation, ce lieu. Parce que je ne cherche pas à capter l'énergie de ce menhir ou de ce vortex, mais que simplement je me synchronise et que je suis simplement en joie de la communion sans rien attendre de plus. Parce que je n'essaie pas de me prémunir non plus. Parce que je ne me demande pas ce que l'autre va me prendre ou risquerait de me prendre. Et parce qu'en m'élevant à son niveau sacré ou divin, à un autre octave de sa multidimension, je m'élève moi-même à un autre octave de ma multidimension, parce que ça ne marche pas en diagonale. Donc ça veut dire que pour capter le meilleur de cette part, je suis obligé de m'élever au meilleur de moi, dans cet espace où il n'y a plus de parasites sur l'onde, et où nous ne pouvons que vibrer à l'unisson. C'est ça que vient nous dire Skylight. C'est ça que nous dit le dauphin blanc. On peut encore chercher avec des données normées, des mesures, des moyens de contrôler, de se rassurer, mais aussi de maintenir à distance certaines données. De chercher la vérité, si tant est qu'il y en ait une. Mais en réalité, est-ce que elle nous importe vraiment cette vérité? Ou est-ce qu'elle est juste là pour nous permettre d'avoir un peu moins peur? Pour nous permettre de... Oh, ok, ça va mieux, ça y est, moi j'ai trouvé la vérité, donc je peux me détendre. Les autres, eux, ils sont encore dans l'incertitude ou dans l'erreur. Mais moi, je sais. Et parce que je sais, je vais continuer de trancher encore plus. Je vais continuer de morceler, de séparer, sans jamais m'élever à l'étage de l'unité. Skylight vient nous dire, dans les 7 prochains jours, c'est stop à ça. Est-ce qu'on peut aller dans un espace encore plus large à l'intérieur et à l'extérieur? Est-ce qu'on peut aller à la rencontre? Est-ce qu'on peut laisser tomber les a priori, tout ce qu'on avait tenu pour acquis? Est-ce qu'on peut faire voler en éclats nos certitudes et simplement se laisser rencontrer les uns les autres, sans historique, sans mémoire, dans ce moment présent, avec l'être que je suis et qui est déjà éminemment différent de celui que j'étais, ne serait-ce que la veille, et il en va de même pour l'autre moi en face. Alors même si il m'est arrivé de le rencontrer et que ça n'est pas matché, qu'on ait peut-être choisi de se faire vivre une expérience traumatisante, si je ne le fige pas dans cette case et que je lui laisse le même droit qu'à moi de se réinventer, de se manifester sous un nouveau jour, alors nous nous offrons la possibilité de communier et de vibrer à l'unisson, avec toutes les parts de moi à l'intérieur, avec toutes les parts à l'extérieur. C'est ça le message que vient nous délivrer aujourd'hui
le dauphin blanc. Est-ce que je peux accueillir ce virus? Est-ce que je peux accueillir toutes les parts que représente ce virus à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce que je peux être suffisamment dans ma souveraineté pour ne pas trembler, pour ne pas vaciller et pour pouvoir continuer d'ouvrir mes bras? Bon, il y a Kyrielle et c'est ok, ça correspond à certaines personnes à certains moments, mais on retrouve Kyrielle de processus, d'offres miracles pour stimuler son immunité sur le plan physique, sur le plan vibratoire. Ok. Pourquoi? Est-ce qu'on doit encore, et c'est pas moi qui dis ça, cette énergie, c'est ça qu'elle vient de dénoncer. C'est ça qu'elle vient nous mettre en exergue. Est-ce qu'on en est encore, les gars, à être dans une posture où on se protège de ce qui pourrait nous atteindre ou est-ce qu'on est dans notre propre rayonnement? Et dans notre propre rayonnement, on n'a pas peur de ce qui vient. Parce que si tant est que quelque chose pourrait nous atteindre, alors il serait converti dans le feu de mon émanation. Ou alors maintenu à distance. Mais plus je suis dans ce rayonnement, plus j'ouvre ma porte et je peux tout réintégrer. C'est ça que nous dit Skylight. Je ne peux pas tout détailler parce que je partirai avec le dauphin d'avant, Galimpanem, le lien, un saut quantique qui se fait. Je ne peux pas tout détailler, mais je livre l'essentiel pour cette période-là, pour ce moment. Ce que nous dit profondément ce dauphin. C'est accueillir. Vous ne risquez rien. Si vous êtes dans cette énergie juste, qui n'est pas un raisonnement, qui n'est pas une tentative de se convaincre, mais qui est cette énergie une parce que vous avez déjà fait un avec vous-même, et que donc par ricochet vous faites un avec le monde, un avec tout ce qui vous entoure. Parce que vous ne niez plus rien. Parce que vous accueillez que tout a sa place. Que tout est parfait. Que tout est juste. Parce que vous vous ouvrez profondément à ce que votre être supérieur a choisi de créer pour vous. Parce que vous n'essayez pas d'interférer. Parce qu'en réalité, vous ne faites que vous protéger de la grâce. Vous ne faites que vous protéger de la providence. Vous ne faites que vous protéger de vous-même dans votre dimension la plus élevée. Le dauphin blanc nous invite à cette dimension de foi. De foi non pas au sens d'un dogme, mais au sens de mise en conformité et de vibrer cette réalité. Au-delà de tout ce que je dis, tout ce que je prône, tout ce que je pense incarner dans ces espaces. Même si c'est avec des produits naturels, même si c'est avec des pratiques énergétiques et pas avec des médicaments ou autres, mais c'est la même donne. Est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de maintenir des choses à distance et de les juger comme négatives? Est-ce que je ne suis pas en train de continuer de créer de la dualité, de la séparativité? Et est-ce que dans cet espace, simplement, je peux me laisser aller à cette synchronisation vibratoire au-delà des archétypes, des interprétations et des concepts pour découvrir la vibration, me brancher, me synchroniser avec elle et onduler harmoniquement avec. Si je reprends l'exemple des aliments ou des produits qu'on mesurerait et dont on ne tirerait peut-être
peut-être pas le même résultat en fonction de comment on le regarde, à quel niveau de sa vibration on le connecte. Et au-delà, le meilleur aliment testé, peut-être que j'en prendrai qu'un moindre bénéfice, pour ne pas dire peut-être même un effet négatif, simplement parce que il n'est jamais question uniquement, en tout cas, de la valeur nutritive même du produit. Il est toujours question de ma capacité à entrer en synergie avec. De manière très pragmatique, basique, physiologique, il y a des personnes qui ne digèrent pas certains aliments, ou qui ont une mastication qui fait que, ou qui ont des sucs gastriques qui font que. Ils ne vont pas prélever ou synthétiser ou fixer certains oligo-éléments, hein, certaines substances qui font tous les bienfaits de ce produit. Alors je peux me gaver d'un produit miraculeux et qui certainement l'est à un certain niveau. Si je n'en prends pas le suc, à quoi ça sert? Et même un produit qui vibrerait un peu moins ou qui aurait un peu moins de ses nutriments, si par contre je rentre en communion avec lui et que du coup je l'intègre à un point tel que tous ses bienfaits, tous ses principes actifs deviennent miens, alors même s'il en recèle beaucoup moins à l'intérieur de lui, mais je vais tous les capter. Et je vais les capter en axe, quand bien même dans la forme qu'il prend là, ils auraient été déviés, parce que tout est issu de la source, parce que tout est la vie. Et c'est ça, encore une fois, que vient nous dire le dauphin blanc. Est-ce que je peux cesser de me substituer à la vie? Est-ce que profondément, je peux accepter de la laisser se dérouler? Et avec mes peurs, mes craintes, mes doutes, mais aussi mes espoirs, mes envies, ma foi, me laisser aller à l'expérience, me laisser traverser par ce flot, et entrevoir chaque expérience inconfortable ou douloureuse, non pas comme une mauvaise expérience, mais comme simplement le signe que nous ne sommes pas encore arrivés à vibrer à l'unisson avec cette particule. Et ce n'est certainement pas une raison pour m'éloigner d'elle, pour la mettre dans la case de pas fréquentable, mais au contraire, comme une opportunité, une invitation, une chance de pouvoir y retourner pour mieux faire. Je vais vous raconter, c'était pas du tout prévu, une histoire parce que ça me fait écho. Parce que moi je suis pas toujours non plus dans cette sagesse-là. Hein. J'ai une nouvelle voisine et elle m'agace. Elle m'agace énormément. Et en fait, on s'est pris la tête deux fois, un peu violemment. C'est ok, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, on a partagé un moment. Où l'un et l'autre, on s'est vus différemment. Non pas que elle pensait que j'étais mauvais et non pas que je pensais qu'elle était mauvaise, mais on s'était pas l'un et l'autre montré sous notre meilleur jour. Pour X raisons qui n'ont aucune importance. Et aujourd'hui, parce que un autre être humain avait besoin de nous, un jeune homme qui était en état de choc, mais aussi dans une crise de panique après une agression et le fait de s'être fait aussi mordre par un chien. Nous nous sommes retrouvés là tous les deux et nous avons tous les deux ensemble apporté comme on le pouvait notre soutien. Et dans ce moment-là, ben forcément, il fallait collaborer. Et puis dans ce moment-là, par rapport à cette tierce personne, l'un et l'autre, on s'est élevé à un autre niveau de notre être pour donner le meilleur de nous. Et donc du coup, à ce niveau-là,
On s'est mis à vibrer à l'unisson. Et à un moment donné, il y a eu ce petit regard qui n'a certainement duré même pas une seconde, pendant lequel il y avait cette reconnaissance de part d'une part et de l'autre. Un peu d'un air de dire ah ouais, putain, j'aurais jamais cru quoi. Ah ouais, mais en fait, on pourrait s'entendre. En fait, t'as l'air d'être quelqu'un de bien finalement si on bascule dans une autre situation. Et c'était fini. Et je l'ai recroisé l'instant d'après et j'ai senti combien, pour toujours maintenant, le match est fait. Ça vibre à l'unisson. Alors, peut-être qu'on ne sera pas d'accord parfois, mais ce sera plus pareil. Parce qu'on s'est rencontré que pour toujours à la lumière de l'intrication quantique, ça vibre à l'unisson. Et donc du coup, ça s'harmonise d'un côté et de l'autre. Si on revient au corona, si on revient à ce virus, je vais tenter un parallèle. Ça vaut ce que ça vaut, encore une fois. On nous parle, pour sortir du déconfinement, pour la France en tout cas, d'avoir atteint une sorte de masse critique de personnes infectées et donc, a priori, même si c'est remis en cause, immunisées. Je peux chercher à stimuler mon immunité pour me préserver d'eux. Je peux aveuglément m'exposer à, parce que je suis dans le déni de quelque chose. Et puis, il y a peut-être une autre voie qui, paradoxalement, est celle qui protège le plus, c'est celle de l'ouverture. C'est quand je n'ai plus peur et que je ne suis pas en train de voir que la beauté, je suis en capacité, parce que c'est ça aussi cette énergie que nous donne la skylight. C'est je suis en capacité de faire preuve de discernement entre l'axe horizontal, d'ego à ego, d'incarnation à incarnation, avec tous les jeux, les ping-pong qu'il peut y avoir, et puis les formes de déviation ou de déviance au gré de nos expérimentations. Le virus peut muter, mais nous avons muté aussi à de nombreuses reprises. Et nous ne sommes plus toujours l'incarnation précise de notre énergie supérieure, parce que les expériences de la vie que nous avons mal digérées, eh bien, dévient un peu notre axe, que nous pouvons bien sûr réaligner. Et donc d'ego à ego, parfois, c'est le ping-pong. Mais il y a aussi l'axe vertical, de cœur à cœur, d'âme à âme, d'essence à essence. Et parce que je fais le fit entre les deux, que je retrouve cet espace du cœur que cela désigne, alors dans cet espace d'équilibre et seulement dans cette conscience-là, que nous amène le dauphin blanc, et d'ailleurs sur sa carte, si vous regardez son sceau, c'est exactement ça, il y a cette croix à travers deux lémniscates, un vertical et un horizontal, qui se croisent et qui permettent cette communion. Si je ne suis que sur l'axe horizontal, ça ne marche pas. Si je ne suis ou ne veux être que sur l'axe vertical, je ne veux voir que la lumière, je ne veux voir que la perfection, parce qu'en réalité, j'ai un problème avec l'autre côté. Alors je me mets en danger. Mais ça n'a jamais été l'autre, le virus, le prédateur, qui me met en danger. J'en suis responsable. Et donc si je reviens à cette immunité, c'est peut-être lorsque je ne cherche plus à la stimuler artificiellement, mais que j'ose aller à la rencontre, que plus rien n'a réellement le pouvoir de m'atteindre. Que je le chope ou pas, je peux vibrer à l'unisson avec. Et on pourrait extrapoler plus loin, même si peut-être ça choquera certaines personnes. Quand bien même ça m'amènerait à faire l'expérience d'une désincarnation. Je ne vous le souhaite pas, je ne me le souhaite pas. Mais cela aussi serait exactement la justesse du plan. Est-ce que je dois lutter contre? Est-ce que je dois me battre? Est-ce que je dois m'en préserver? Ou est-ce que justement ce qui fera la différence, c'est ma manière d'onduler avec? Est-ce que je suis dans le conflit? Est-ce que je suis dans la lutte? Est-ce que je suis dans la fuite?
ou est-ce que, quand c'est là, sous la forme que ça prend, j'ondule avec? Je vibre à l'unisson avec chaque élément, intérieur comme extérieur. Unité. Je suis en tout. Je suis le tout. Et à chaque fois que j'arrive à poser un regard d'amour, je me reconnais. Je m'embrasse. Et je réintègre toutes ces parts de moi que j'avais laissées sur le bas-côté de la route. Et c'est aussi ce que ce moment vient nous offrir. Merci infiniment à chacun. Je souhaite vraiment que ce message vous ait inspiré. Écoutez-le, réécoutez-le. Il est disponible pendant 24 heures sur ma story. Et puis, je vais le mettre également sur ma chaîne YouTube. Donc, à partir de demain, très certainement, vous pourrez le retrouver. Et puis, s'il vous ouvre des voies, si c'est très libérateur comme je l'ai lu, partagez-le. Partagez-le parce que ce message du dauphin, il est notre clé pour les jours à venir. Il est ce à quoi n'est pas un espoir auquel s'accrocher. Il est le véhicule qui nous amène à une résolution. Non pas parce que nous prenons un chemin ou un autre, mais parce que quel que soit le chemin que nous prenions, nous l'empruntons avec la juste présence, la juste conscience, la juste énergie à l'intérieur, à l'extérieur. Coucou Samuel et coucou Émilie, coucou Sarah, Nathalie, Prisca, Martine, Amélie. Je vous embrasse très fort. Je souhaite vraiment que ça vous ait accompagné. On se retrouve mercredi prochain pour une guidance en ligne où je prendrai une à deux personnes en live. On se retrouvera vendredi prochain pour le tirage de la semaine prochaine dans les énergies des maîtres dauphins. Bientôt un nouvel apéro papote. Je vous annoncerai bientôt la date. Et puis, comme je vous le disais, des surprises à venir, les ateliers en ligne, les séances en ligne que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur mon site, les défis qui sont tout autant de clés qui peuvent, sans vous dicter une vérité, sans vous intimer d'aller dans une direction précise, dans le plus grand respect de votre libre arbitre, vous invite à vous trouver, à vous choisir, au-delà de toutes les théories, au-delà de tous les préceptes, simplement s'offrir cet espace où vous vous accueillez vous-même. Je suis content, je dis que c'était puissant pour Annie, merci Annie. Je vois AE de Michael, donc je sais ce que ça veut dire. Merci Catherine aussi, Martine. Ma maison, Nazan Bujal. Avec grand plaisir et puis je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. Moi, c'est des moments où je sors pas beaucoup et ça me dérange pas. Mais depuis hier, le soleil est revenu chez moi et c'est une grande grâce. Je vous en partage quelques petits extras lors des balades avec mon chien sur ma story. Je vous embrasse très fort, très belle soirée et à très vite. Une dernière chose, tiens, ça me vient comme ça, c'était pas prévu.
Peut-être qu'il faudrait que je mette un sondage en place pour ça. Et je ne sais pas bien comment on fait, mais je vais essayer de trouver si c'est possible. L'idée me vient de peut-être faire un live plus long sous la forme d'une conférence dans les jours ou semaines à venir. Et donc du coup, si vous aviez un thème privilégié sur lequel vous souhaitez que j'intervienne, bah faites-le-moi savoir et peut-être on va mettre un sondage en place pour que avec plusieurs thèmes, pour que vous puissiez voter et que je sois toujours plus au proche de votre appel intérieur. Cette fois-ci, je file. Super, Cécile, ça t'a apaisé, je suis content. Marie, avec plaisir. Oh, maison d'hôte au Portugal, wow. Quand est-ce que je viens? Dès qu'il y a la réouverture des frontières. À très très bientôt, à très vite. Je vous embrasse et merci à mes chéris. À très vite.